Donc nous voici dans la première étape de la méthodologie de la démarche de résolution de problèmes. Et donc on va s'attacher dans cette première étape à trois grands objectifs: comprendre, prioriser et établir des objectifs. Alors tout d'abord, quels sont les divers outils qu'on va mettre en œuvre sur les différents moments de cette phase? Alors tout d'abord, la première chose que l'on fait quand on arrive et quand on est saisi d'un problème, c'est de se poser un certain nombre de questions. Alors ces questions, cette checklist de questions a un nom, elle s'appelle le QQO-QCP. Alors vous avez le détail de ce QQO-QCP donc en cliquant sur ce lien et en regardant éventuellement en cliquant donc sur ce lien et en regardant ce qui existe, ce qui est à disposition sur mon site, vous pourrez voir donc un détail sur le QQO-QCP. Alors qu'est-ce que c'est que le QQO-QCP? C'est une méthode qui date d'il y a très très longtemps. On l'a fait remonter notamment à l'Empire romain. Et donc le QQO-QCP était une méthode mnémotechnique mise en œuvre par un procureur romain. Et donc quand il arrivait sur les lieux d'un crime, il posait un certain nombre de questions. Qui est concerné? Comment est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Où ça se passe? Etc. Et donc ce QQO-QCP, c'est une checklist. Et donc ce qu'on fait en général quand on a un groupe de résolution de problèmes, c'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on a comme élément. Qu'est-ce qu'on a comme élément temporel, par exemple, c'est la question quand. Qu'est-ce qu'on a comme élément géographique ou spatiaux, c'est la question où. Qu'est-ce qu'on a comme élément sur ce qui s'est passé, c'est la question comment ou pourquoi. Et donc en creusant toutes ces questions, on va faire la première phase de la méthode, c'est-à-dire on essaie déjà de rassembler qu'est-ce qu'on connaît sur le problème, quels sont tous les éléments caractéristiques. Alors je ne vais pas vous présenter en détail le QQO-QCP, mais vous pouvez regarder la vidéo ou les diapositives à ce sujet. Deuxième chose à faire, on parle de QQO-QCP, mais souvent on utilise un autre acronyme qui est le QQO-QCCP. Donc avec deux C, pour ajouter en fait le C de combien. Alors pourquoi? Parce qu'une chose qui est très importante, c'est la mesure. Et donc on va essayer, une fois qu'on a défriché un peu de quoi il s'agit, d'aller chercher des éléments les plus précis, les plus quantitatifs possibles sur ce qui se passe. Et donc pour ça, on va mettre en place des méthodes et des moyens pour relever des données. Donc ça c'est très important, si on veut travailler avec rigueur, c'est de trouver des éléments qui soient quantifiables, chiffrés, avec lesquels on puisse faire des analyses statistiques même. Et par exemple, de demander à des gens qui travaillent dans une usine, quand il y a un défaut, de remplir une feuille de relevé. Et ensuite, on va récupérer toutes ces feuilles de relevé, consolider les données, et c'est à partir de là qu'on va travailler. Faire des relevés, c'est bien, mais il y a une autre chose qu'il faut faire, c'est pouvoir analyser ces données et puis au moins pouvoir les interpréter. Alors, à ce stade-là, on ne va pas dans les méthodes d'analyse de données complexes, mais on essaie au moins d'avoir des méthodes de représentation qui permettent rapidement de montrer qu'est-ce qui est le plus important. Donc, c'est toute la question de la data visualization, de la visualisation de données, qu'on aborde dans cette formation sur les feuilles de relevé. Troisième étape, à ce stade-là, si on a fait une enquête sérieuse, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas un problème, mais il y a beaucoup de problèmes possibles. Et donc la question, c'est de faire ce que l'on fait quand on fait de la gestion des risques, c'est de se dire, ben voilà, dans mon projet, il y a plein de risques, mais pour faire de la gestion de manière efficace, je ne peux pas gérer tous ces risques. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir lesquels sont les plus importants. Et donc je vais faire ce qu'on appelle une priorisation. Et donc pour ça, je vais utiliser un outil qu'on appelle le diagramme de Pareto. Donc le diagramme de Pareto s'attache en fait à étudier quel est l'impact de chaque problème. Et le but, bien entendu, c'est de détecter
quel est le facteur qui est la source du maximum de problèmes. Hein. Et donc on a une loi que vous connaissez peut-être, qui est la loi du 80-20, qui dit qu'il y a 20% des causes qui font 80% des effets. Et donc l'idée, bien sûr, c'est quand vous avez 10 causes, bah de résoudre en premier les causes qui sont à la source du plus de problèmes. Et donc comme ça, en un seul effort, vous avez résolu 80% du problème. Enfin, la dernière chose à faire dans cette phase de cadrage, qui est très importante, c'est de boucler la phase de cadrage en disant, bah voilà, nous avons décidé de nous attaquer à tel problème et il faut un plan de travail. Donc ce plan de travail, en général, il se présente sous la forme d'un nouveau QQOQCP. Donc c'est les mêmes questions que celles qu'on a posées au tout début, quand on a défini la situation. Mais ces questions-là sont appliquées à qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour résoudre le problème? Et ce QQOQCP pose aussi un problème très important, qui est de savoir combien est-ce que ça va coûter de résoudre le problème et qu'est-ce qu'on attend comme résultat pour dire qu'on a réussi. Alors, cette phase ici de proposition du plan de travail est une phase qui est très importante. Alors, pour vous donner un exemple, si vous êtes employé dans une agence de conseil, hein, ce que fait une agence de conseil en général, c'est qu'on va l'appeler quand on a un problème. Donc les personnes de l'agence de conseil, souvent des seniors, vont dans l'entreprise et vont commencer par évaluer quelle est la quantité de travail qu'il y a, combien de temps il faut. Et ensuite, avant de commencer une intervention, ils vont voir le client et ils lui disent combien ça va lui coûter. Et donc c'est très important, bien sûr, avant de commencer une résolution de problème, d'avoir le go du point de vue du financeur. Alors on va regarder ça plus en détail. Alors, quand cette phase est bien faite, quels sont les livrables? Qu'est-ce qui permet de dire que cette phase est bouclée? Alors tout d'abord, bah, c'est une petite synthèse, et cette synthèse, elle fournit des objectifs. Donc ça, on l'a vu ensemble dans le cours sur les bases de la gestion de projet. Les objectifs répondent à un certain nombre de critères. Hein. Donc par exemple, dans la version anglaise, hein, ils sont simple, measurable, agreed upon, realistic et time-framed. Donc c'est des objectifs simples, mesurables, réalistes, donc ni trop faciles, ni trop difficiles, et puis bien sûr avec une échéance, une date de livrable dans le temps. Ensuite, comment dire qu'on a atteint ses objectifs? Ben, on doit pouvoir le constater et on le constate en mesurant un certain nombre d'indicateurs. Donc, par exemple, je vous avais présenté l'idée qu'on pouvait avoir comme objectif de réduire l'absentéisme de 15%. Et ben, ça veut dire qu'à la fin de l'intervention, on va devoir mesurer à nouveau le taux d'absentéisme et vérifier qu'on est dans quel ordre de grandeur on est, si on a atteint l'objectif de 15% ou pas, ou plus ou moins. Et donc, on ne peut pas dire qu'un problème est résolu si après, on ne fait pas une étape de mesure. Autre chose très importante dans cette phase, je vous en ai parlé, c'est le fait que vous ayez l'approbation du chef, du client, du commanditaire, pour lancer l'équipe de résolution de problème. Une résolution de problème, bien sûr, ça va demander des efforts, ça va coûter du temps, et donc il faut avoir le go du client. Donc ça, c'est très important quand on est dans une démarche commerciale, c'est que bien sûr, on ne commence pas à travailler pour le client tant qu'on n'a pas signé le contrat. Maintenant, quelques conseils et quelques points clés si vous avez à mettre en œuvre cette phase. Donc, premier conseil, évidemment, il faut des objectifs clairs. Donc ça, c'est très important dans le management. Il faut que les objectifs soient négociés, consensuels, que tout le monde soit d'accord dessus, qu'on puisse les mesurer, qu'on ait des échéances dans le temps. Ça, c'est le b.a.-ba du management. Donc, vérifiez que vos objectifs sont réellement dans la checklist que je vous ai donnée. Un autre point intéressant, quand on est en charge d'une équipe de résolution de problèmes, c'est de constituer l'équipe avec laquelle on travaillait. On va travailler. Donc à ce stade-là, la question, c'est qui inclure dans l'équipe? Alors moi, ce que je vous recommande, c'est d'inclure essentiellement deux types de personnes.
D'abord, dans cette phase, le grand risque qu'on a, c'est de se tromper de problème. Donc s'attaquer à quelque chose qui n'est pas réellement important, s'attaquer à un problème mineur, au lieu de se dire, effectivement, c'est celui-ci qui est important. Et donc, comment ne pas se tromper de problème? Comment fixer une cible réaliste? Ben là, typiquement, il va falloir inclure des gens qui ont une bonne connaissance de l'entreprise, un beau niveau de responsabilité, autrement dit, ce qu'on appelle un peu des décideurs, hein, c'est-à-dire des gens qui ont suffisamment d'expérience et d'autorité pour être capables d'y voir clair. Et puis autre chose, il ne faut pas se lancer dans une entreprise de résolution de problème si on n'a pas le soutien pour aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'à ce stade-là, le client, la personne qui va bénéficier de cette démarche, le financeur, doit être impliqué et doit avoir dit « Ok, je vous soutiens, vous m'avez convaincu en me présentant votre analyse du QQ au QCP, en me présentant vos feuilles de relevé, en me montrant visuellement quel était le problème le plus important. » Je suis convaincu et donc je suis prêt à vous soutenir dans la résolution de ce problème. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aborder deux grandes questions, deux grands problèmes. Tout d'abord, se demander comment est-ce qu'on fait pour trouver toutes les causes possibles, donc ouvrir un peu l'éventail et chercher tout ce qui peut aller mal. Et puis une fois qu'on a trouvé tout un tas de points de départ, il va falloir remonter. Remonter à la cause racine, remonter à la cause d'origine. Et donc, ce sera le deuxième but de cette phase.